Yacine, direction Salzbourg pour ce match retour. Ouais. Qu'as-tu pensé déjà du match aller? Bah, le match aller, je pense que on les a un peu trop respectés à mon goût. On n'a pas lâché les chevaux et ensuite en deuxième période, je pense qu'on s'est décomplexé. Après, on a vu le résultat. On a vu qu'on pouvait les mettre en danger et ça nous a donné confiance pour le match retour. Du coup, ouais, justement, vous pensez être capable de faire tomber le tenant du titre chez lui? Ouais, il n'y a pas de doute, je pense. Je pense que toute l'équipe va à Salzbourg pour faire un gros match et tenter de remporter la victoire. Justement, cette expérience en Youth League, c'est quelque chose de nouveau pour le club. Vous êtes frotté à ce qui se fait de mieux en Europe. Vous vous sentez comment par rapport à ce niveau? C'est étonnant du titre. Justement, vous n'avez pas été ridicule au match aller, loin de là. Justement, ça vous donne confiance? Bah oui, ça nous donne confiance et ça nous permet de se jauger individuellement et collectivement sur ce qui se fait de mieux dans notre catégorie en Europe. Après, ça nous donne un avant-goût aussi du monde professionnel parce que on joue souvent contre des joueurs qui intègrent l'équipe professionnelle par la suite ou qui sont déjà intégrés au groupe professionnel de leur équipe. Donc ouais, ça fait quelque chose de jouer contre des équipes comme ça et on a envie que de se surpasser et de montrer qu'on les vaut largement. Tu as fait plusieurs entraînements avec le groupe pro, des matchs amicaux, tu joues régulièrement en National 3, ça accélère un peu ta formation. Oh, bien sûr, bien sûr. Dès qu'on s'entraîne, dès qu'on touche au groupe professionnel et tout, on a envie d'y rester. On voit tout de suite l'exigence qu'il faut démontrer, l'exigence des coachs, l'exigence technique. L'hygiène de vie aussi qui est très importante, mais c'est sûr que ça accélère notre carrière, notre progression. Merci Yacine et bon match demain. Merci beaucoup.